J'espère que Florence va aimer ça. Ta marraine adore l'art africain. J'espère que Stana va être là pour son anniversaire. Désolé de te décevoir, mais cette année, elle est à Toronto. Une conférence sur le snake. Le snake? C'est une nouvelle danse? Non, c'est une drogue. Ceux qui en prennent souvent en viennent à s'arracher la peau lorsqu'ils sont en manque. Oh, poche, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu penses de mon emballage? Je veux pas te vexer, papa, mais t'es meilleur comme vétérinaire. Le crocodile est tellement ressemblant que ma chatte s'est sauvée aussitôt qu'elle l'a vu. Mais avoue, c'est quand même bizarre qu'une chatte ait peur d'un animal en bois. Hey! Regarde! Viens. Blaise? Blaise! Ah, Arthur. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a volé cette nuit. Toute la marchandise que j'ai reçue hier soir. J'ai même pas eu le temps de tout déballer. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces boîtes-là? Ben, les sculptures africaines. On m'a tout volé. Mais sauf le crocodile que vous avez acheté hier, ton père et toi, et le serpent de M. Marcelin. M. Marcelin? Ouais. C'est un vieux collectionneur de serpents, tout genre. Ça faisait longtemps qu'il attendait cette pièce-là. Bon, j'ai beaucoup à faire. On va t'aider, Blaise. Ah, vous êtes super gentils, les enfants. Ben, tiens. J'en profite pour téléphoner l'assurance et une compagnie de sécurité. Je tiens pas à me faire voler une deuxième fois. Andrea, regarde. C'est bleu, comme du jeans. C'est peut-être le voleur qui arrache un bout de ses vêtements en ouvrant une caisse. On tient notre premier indice. Qu'est-ce que vous faites? Blaise, on a une théorie pour le vol. Ah oui? Mais c'est un peu trop tard. Regardez. C'est l'inspecteur Bluteau qui les a retrouvés. L'enquête est déjà terminée. On les a retrouvés dans le bas de la ville. Dans un entrepôt. Abandonné. Est-ce que vous avez arrêté le voleur? Mais, malheureusement, non. Il n'y avait pas d'empreinte sur les sculptures. Alors,
Alors, pour en revenir à nos moutons, là, à part le serpent de Marcelin, y a-t-il une autre pièce de la même livraison qui a été vendue? Oui, il y avait aussi un crocodile. Mais c'est le père d'Arthur qui l'a acheté. Ben, Arthur, va falloir que j'examine cette sculpture, là. Pourquoi? Son père l'a acheté avant le vol? Je vois que j'ai affaire à des pots. Écoutez, approchez-vous. Une des sculptures pourrait cacher des renseignements concernant un coup d'État en Afrique. Les responsables seraient une secte de fanatiques dangereux. Les Xous. Les Xous? Mais j'ai jamais entendu parler d'eux. Tout concorde. Pourquoi est-ce que vous pensez que les sculptures ont été retrouvées si facilement? C'est parce que les voleurs les ont fouillées sur place. Vous me promettre de rien dire à personne. Promis? Oui. Promis. J'ai ta parole aussi? Bien sûr. Oui, oui. Alors, Arthur, le crocodile, tu vas me le chercher? Oh, non, non. C'est ma marraine qui l'a. C'est son cadeau d'anniversaire. Oh. Où elle habite, ta marraine? Viens-t'en, on va aller la voir. Elle a déménagé. Elle n'a pas encore le téléphone. En plus, elle habite en dehors de la ville. Blaise, je vous laisse ma carte aussitôt que le petit retrace le crocodile. Vous m'appelez. Je compte sur vous. Bien sûr. Et merci encore. Hein? Inspecteur Bluteau, le morceau de tissu, est-ce que vous l'avez examiné? Le tissu, quel tissu? J'avais oublié. Que vous avez trouvé ça? Accroché à une caisse. Ça doit venir du vêtement du voleur. C'est une belle tour. On va le faire analyser. Arthur, qu'est-ce que t'as? Hey! Peux-tu me dire qu'est-ce que t'avais à gratter le pantalon? Et pourquoi t'as menti au sujet du crocodile? Il y avait un accroc dans les jeans de l'inspecteur Bluteau. T'as pas remarqué? Je suis peut-être daltonien, mais je suis sûre que les fils de tissu qu'on a retrouvés étaient de la même couleur. Mais ça veut rien dire. Il y a plein de monde qui porte des jeans. Mais des jeans avec un accroc, il y en a beaucoup moins. Mais il est policier. Puis viens-t'en. Selon les premières constatations, le meurtre remonterait à deux jours. M. Marcelin était un paisible vieillard. Pour l'instant, on ignore le mobile du meurtre, mais les lettres XO tracées en rouge sur le front de la victime donnent à cette affaire une allure inquiétante. Attends,
Attends, Sherlock, tu vois le feu! Sherlock! Sherlock! Va-t'en, va-t'en, sac à puce! Sherlock? L'as-tu vu? Qui ça? Pluto. Il surveillait ta maison de son auto. Pluto? Et si c'était un XO? Je me demande si Blaise est au courant du meurtre de M. Marcelin.